À profondeur, c'est un cercle d'amis. Eh bien non. Et quand nous vous invitons, ayez le courage ou même la gentillesse de venir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous l'avez constaté au passage du générique, il n'y a que deux personnes. Le professeur Poy, que vous voyez là devant vos petits écrans. Professeur, je vous remercie beaucoup d'être venu. Je vais vous présenter tout à l'heure. Vous êtes juriste, c'est déjà ça, juriste, mais vous avez été étudié en Belgique et aux États-Unis. Bravo. L'autre invité, bien entendu, c'est Modeste Bonigaba. Monsieur Bonigaba, bonsoir et bonjour. Bonsoir et bonjour, Monsieur Kibambi. Alors, un titre, bon Dieu, quel titre provocateur et non moins vrai. Cependant, mes amis me contrediront peut-être. Professeur Kamoulaye, vous savez, je voulais prononcer en Tchiluba Kamoulaye. Est-ce que j'ai réussi? Mais tout à fait, Kamoulaye. Kamoulaye. Voilà. Mais il y a mes autres noms que vous n'avez pas Non, mais prononcés. Je vais vous Mpoy. aider, je vais vous aider. Mpoy Kamoulaye Lumbala Tchamanyang. Alors, vous êtes servi. Merci, professeur. Mais je dis Eldorado ou enfer. Vrai ou faux? Ah bah mais je dirais que c'est totalement vrai dans les deux sens. Enfer, certainement. Eldorado, pour une infime minorité des Congolais ou des personnes qui ont choisi de vivre au Congo. Et donc, je pense que dans nos échanges de tout à l'heure, on mesurera la profondeur, parce que notre émission, les profondeurs, nous mesurerons la profondeur de l'enfer dans lequel nous sommes et nous évoquerons la profondeur de l'Eldorado dans lequel nous aspirons tous à vivre, dans lequel nous aspirons tous à vivre. Merci, professeur. Mais, monsieur Bonigaba, mais ce pays devrait être un Eldorado. Oui, tout à fait. C'est même, on peut dire que c'est choquant. C'est choquant de se rendre compte que ce pays, qui a tout pour être un Eldorado pour tout le monde, est un enfer pour l'écrasante majorité des Congolais. C'est cela qui choque et c'est cela qu'il faut corriger Est-ce très que rapidement. ça peut être l'Eldorado pour tout le monde, pour le plus grand nombre peut-être? Parce que la pauvreté, quand même, on peut pas. Elle existe un peu partout, moi que je me trompe. Pour le plus grand nombre, non? Je crois que pour le Congo, il est possible d'assurer ce qu'on appelle le minimum vital à tout le monde. Les moyens sont là pour qu'au moins tout le monde puisse avoir le minimum vital. Mais quand vous avez le minimum, vous n'êtes pas dans l'Eldorado. Bon, ce serait déjà un bon. Un bon départ. Oui, tout à fait. Mais j'aimerais d'ailleurs compléter ici en disant ça peut être un Eldorado pour tout le monde. Je commencerai d'ailleurs par citer un pays que tout le monde considère comme étant un Eldorado, c'est-à-dire les États-Unis. Chacun de nous a entendu parler du rêve américain. Oui. Avant que moi je ne aille aux États-Unis, on parlait ici de chômeurs américains, Oui. parce que Vous nous croyez? avions l'idée que Même même les quand vous êtes chômeurs? chômeur en Amérique, vous êtes dans l'Eldorado. Mais il y a des pays où c'est l'Eldorado pour tout le monde. Il y a un pays, par exemple, dont, évidemment, le Qatar, on en a entendu parler aujourd'hui, et j'espère qu'en évoquant le Qatar, je ne provoque pas un sentiment de réaction virale chez certains de nos compatriotes. Non. Mais c'est un pays dans lequel Il presque fait bon tout vivre. le monde. Il y a le pays comme le Grand-Duché du Luxembourg. Ouais. Il y a les pays comme Monaco. Il y a le pays comme les Liechtenstein. Donc il y a des pays qui sont infiniment plus pauvres que le nôtre et dans lesquels pratiquement tout le monde
trouve qu'il ne peut pas aller vivre ailleurs. Et voilà pourquoi nous voulons œuvrer pour que notre pays devienne un Eldorado pour tout le monde. Mais il y a la Libye, pour plus près de nous, qui semble-t-il est un Eldorado un peu pour tout le monde, parce que l'essence ne coûtait rien du tout, toutes les conditions étaient réunies, quand vous étiez marié, vous aviez déjà une résidence, il y a des routes, il y avait de l'eau, si on n'avait pas tué Kadhafi, peut-être qu'aujourd'hui on parlerait autrement, non? Bien, mais je n'ai pas eu la chance de visiter la Libye, j'ai visité d'autres pays comme... et j'ai travaillé sur la Tunisie, j'ai travaillé sur l'Égypte, j'ai visité le Maroc. Donc, dans le Maghreb, à part l'Algérie et la Libye, ce sont les deux seuls pays du Maghreb que je n'ai pas visité personnellement. Mmh. Alors, la Libye a peut-être été, si c'était un Eldorado, alors... je pense que Kadhafi n'aurait pas fini comme il a fini, parce que ce n'est pas simplement l'intervention extérieure, comme on aime à dire. Mais je pense que nous allons nous éloigner. C'est pas notre débat. Nous allons nous éloigner. C'est pas notre débat. Merci. Alors, professeur, vous êtes le j'allais dire le petit nouveau, mais disons les jeunes nouveaux. On va vous passer la parole. Pourquoi et comment en sommes-nous arrivés là où nous sommes, disant que c'est l'Eldorado pour une infime partie des Congolais et pour ceux qui ont choisi de venir vivre chez nous et l'enfer pour les autres? Ça, on peut partir de l'histoire ou... Absolument, absolument. Très belle question. Avant 1885, il n'existait pas dans le monde un pays qui s'appelait Congo. Il y avait un fleuve qui était ignoré de ceux qui pensaient qu'ils avaient découvert... l'humanité, et donc nous avons tous étudié que Diogo Cao était venu, le premier explorateur qui avait découvert l'embouchure de ce géant fleuve, et que la première colonisation de ce qui allait plus tard devenir le Congo avait commencé à l'époque. Nous étions en 1482. Et puis, après... il y a eu la conférence, non? Mais avant la conférence, à la suite de cette exploration, il y a eu la traite négrière, dont nous parlons, nous les Noirs, avec beaucoup d'amertume et beaucoup de tristesse. Et l'histoire nous apprend que la majorité de ces Noirs qui ont été pris en esclave venaient de la cuvette du Congo. Et après, toujours dans le souci que les Blancs avaient de comprendre et de remonter le fleuve Congo, de l'explorer, il y avait eu d'abord un nommé Livingston qui était venu et qui avait débarqué sur les rives, sur la côte est de notre continent, Zanzibar, et qui dans ses explorations était perdu, on n'avait plus de ses nouvelles. Puis Stanley, Henri Morton Stanley a été... Un cours d'histoire là. Mais c'est pour comprendre oui. D'où nous venons. D'accord. Et rapidement, je vais survoler ça pour dire que, à la suite des efforts d'exploration entrepris par Henri Stanley Morton, un monarque belge qui s'intéressait
à faire fortune et qui pensaient que la Belgique, le seul pays européen qui n'avait pas de colonie, devait en avoir une, s'était totalement investi pour faire de ce vaste territoire qui est notre pays aujourd'hui une affaire, sa propriété personnelle. C'est ainsi que en 1885 et plus précisément le 26 février 1885, à l'issue de la conférence internationale sur le fleuve Congo, qu'il avait provoquée, il avait réussi à se faire attribuer ou à faire reconnaître son autorité sur un vaste territoire de 2 345 409 km². Propriété privée d'un certain Léopold II. Léopold II. Léopold II. Le bien nommé. Alors. Après Léopold II. Alors, mais Léopold II, dans sa, ce que son petit-fils a appelé le 30 juin le génie de Léopold II, qui a créé ce vaste territoire, l'a géré pendant 23 ans d'une manière atroce. C'est ce que nous avons tous retenu de l'histoire. Couper les mains. Couper les mains et faire en sorte que le caoutchouc, l'ivoire, c'était les principales richesses de l'époque. Et il a obtenu tout ça. Il a géré ce pays. Les habitants de ce pays, ce n'était pas son souci. Ce n'était même pas le cadet de ses soucis. Ce n'était tout simplement pas son souci. Le système installé par Léopold II en 1885 perdure jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire? Alors, c'est-à-dire que Léopold II s'est enrichi sur le dos de nos ancêtres. Il était le roi, il n'était même pas notre roi, il était simplement le propriétaire de notre pays. Et à la suite de cela, le système et les méfaits du système ayant révolté la conscience de l'humanité, oui, il céda, nous apprend-on, à la Belgique. À la Belgique. En 1908, le 15 novembre 1908, la Belgique devint une puissance coloniale et notre pays changea de nom pour devenir la colonie du Congo belge. À partir de cette date-là, les Belges, pris de remords pour les méfaits de leur monarque, changèrent le fusil d'épaule et se dirent que non, ils devaient faire comme toutes les autres puissances coloniales, veiller au bien-être, à promouvoir le bien-être des colonisés. Ils l'ont fait notamment à travers la généralisation de l'enseignement, quand je dis généralisation, l'introduction de l'enseignement primaire, de l'enseignement moyen, parce que l'enseignement secondaire n'a été introduit dans notre pays que presque à la veille de la décolonisation. L'université, n'en parlons pas, elle n'a été créée qu'en 1954. Mais pendant 52 ans, nous, nos parents, parce que nous tous, nous trois ici, nous avons connu une partie, la dernière partie de la colonisation. Mais nos grands-parents et nos parents, travaillant sous la direction et la gouvernance des Belges, avaient réussi à faire de notre pays la colonie la plus avancée d'Afrique noire. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'histoire. Ce n'est pas Baudouin qui l'a dit dans son discours du 30 juin. Ce sont les indicateurs sociaux qui le disent. 52 ans, en 52 ans. Et donc, pour nos parents, parce que nous avons été tous à l'école, et nous deux au séminaire et au grand séminaire, et donc, nous savons ce que c'était, nous avons été
éduqués par... Au séminaire, c'était quasiment exclusivement les Blancs. Il y a eu quelques prêtres noirs, oui, après, qui ont été parmi nos enseignants. Donc, ces Blancs, nous les avons côtoyés, ils nous ont formés, ils nous ont châtiés, mais nous sentions que c'était pour notre bien. Et nous avons aimé cela. Et nous avons apprécié cela. Donc, le Congo était en train de devenir, ou était précisément en train de devenir un Eldorado. On était en phase de devenir un Eldorado. Alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Alors, ce qui n'a pas marché, c'est que d'abord, le 30 juin, lorsque le roi Baudouin raconte cette belle épopée qu'il attribue au génie de son grand-père, quand il avait fini son discours, le premier président, Tassavoubou, le tout premier président, il le reconnaît, il apprécie. Mais il y a... un incident. Alors, il y a le tout premier ministre, Patrice Emery Lumumba, qui, sans avoir été prévu au protocole, se lève et, dans une envolée lyrique, lance une diatribe époustouflante dans laquelle il dénonce ce qu'il considère comme tous les abus de la colonisation. À un noir, on dit... On ne disait pas tu comme à un ami, mais parce que le vous était réservé uniquement aux Blancs. Oui. Nous travaillons pour des salaires de misère qui ne nous permettaient pas. Raccourcissez, s'il vous Alors, plaît. Donc, il montre que la colonisation, 80 ans de misère. Oui. Aujourd'hui, nous nous posons la question, 63 ans après la misère que les Belges nous ont infligés. Sommes-nous dans une bien meilleure position ou sommes-nous dans une position bien pire que celle que nous avons connue pendant la Et vous y répondez en disant... Et je réponds en disant que ce n'est pas moi... Mais moi, je vais répondre. Mais nous étions en journée scientifique samedi. Mm-hmm. Et j'ai posé exactement cette question, et surtout aux plus jeunes. Ils ont répondu, non, la situation est pire qu'elle ne l'était en 1960. En 1960, Lumumba nous a dit qu'elle était pire, notre situation était pire que la mort elle-même. Alors, quand les jeunes disent qu'elle est pire qu'elle ne l'était en 1960, c'est-à-dire quoi? C'est pour ça que le titre que nous avons évoqué, l'enfer, et l'enfer pour la majorité d'entre nous. Parce que, pour conclure, je dirais quoi, moi je suis professeur d'université, notre salaire est connu de tous, ce n'est pas un secret dans ce pays. En 2010, après moult revendications, notre salaire avait été porté à l'équivalent de 2000 dollars. 2000 dollars. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, il ne vaut plus que 1250 dollars. Alors, après cette envolée, je veux dire, tout aussi, qu'est-ce que vous avez envie de dire? Je précise aux téléspectateurs que vous avez participé justement à ces journées scientifiques. Oui, je crois que c'est ce tableau-là qui a été peint par le professeur Mpoy, qu'il faut effectivement présenter aux téléspectateurs, c'est que ce pays est à la fois un enfer et un Eldorado possible. Mais la faute à qui? Moi, après qu'on aille vite, la faute à qui? À nous tous. Bien sûr, la faute est à nous tous, mais naturellement... Il y a des degrés divers. Il y a des degrés de responsabilité. Et nous qui voulons justement sortir le plus rapidement possible de l'enfer, nous avons quand même au moins ce mérite-là, mm-hmm, de dire ce pays ne peut pas rester
indéfiniment un enfer pour ses fils et ses filles. Parce qu'il a tout ce qu'il faut pour devenir un Eldorado, non seulement pour ses fils et ses filles, mais aussi pour le monde entier. C'est ça qu'il faut chaque fois rappeler. Mm-hmm. C'est un Eldorado pour le monde. Et tout ce qui se passe aujourd'hui ne conduit pas à cela. Mm-hmm. C'est pour cela qu'il faut tout faire pour que rapidement on puisse s'engager dans la voie de redressement de ce pays pour en faire effectivement cet Eldorado. Je voudrais préciser à l'intention des plus jeunes pour dire que le Premier ministre Lunda Bululu avait écrit un ouvrage, donc ce n'est pas nouveau ce que nous disons, hein, avait écrit un ouvrage où disait Dieu, une anecdote, Dieu distribuait des richesses partout et tout ça, et puis à la fin... Parcimonieusement. Parcimonieusement, merci. Et puis à un certain moment, il arrive ici, il jette tout, on lui dit, mais Dieu, là, vous êtes injuste, il dit, ne vous en faites pas, je sais quels hommes j'y mettrai. C'est une injure, ça, non? C'est révoltant, c'est totalement révoltant, parce que Dieu est infiniment bon, oui, infiniment miséricordieux, alors quand il le voit, et qu'il commence à regretter d'avoir placé l'homme congolais. J'étais tenté de dire l'homme zaïrois. Oui. Zaïro-congolais. Allons-y. Sur cette terre pleine de richesses. Et c'est précisément là où le bât blesse. Et c'est cette conscience que nous devons prendre. C'est pour ça que le thème de notre journée scientifique était intitulé En résumé, changeons nos mentalités et transformons notre pays en Eldorado africain. Parce que le changement de mentalité est précisément ce qui va nous amener à la transformation de ce pays en Eldorado africain. Chacun de nous se souvient que lorsque Dieu avait placé Adam et Ève au jardin d'Éden, il leur avait dit... vous allez dominer sur tout ça. Oui, oui. Et alors, quand Adam s'était laissé tenter par Ève et avait mangé du fruit défendu, alors Dieu lui dit, tu mangeras à la sueur de ton front. Et c'est ce que nous devons faire, parce qu'aujourd'hui, nous pensons que l'Eldorado sera... le jardin d'Éden. Mais non, nous avons été chassés du jardin d'Éden afin que nous puissions manger à la sueur de notre front. Jean Lafontaine, que nous avons tous étudié quand nous étions jeunes, nous avons tous retenu par cœur. Travaillez, prenez de la peine, c'est le front qui manque le moins. Et au Congo, c'est exactement cela, c'est le front qui manque le moins. Mais le travail, eh bien, regardez, pourquoi est-ce que nous sommes là où nous sommes? Parce que le travail n'est plus la priorité, je dirais, en commençant par nos dirigeants. Parce que si on mettait tout le monde au travail, les Belges nous avaient mis au travail, vous direz, est-ce que je vais faire l'apologie du travail forcé? Non! Pas du tout, parce que tout le monde veut travailler aujourd'hui. Ces jeunes, et il y en a qui meurent en Méditerranée, y compris les Congolais, ne vont pas en Occident pour tourner les pouces. Ils y vont pour travailler dur. Et ils y vont pour travailler parce qu'ici, ils n'ont pas de travail. Donc c'est ça notre défi. Nous devons nous donner des dirigeants. J'ai cité... dans notre journée scientifique, Joseph de Maistre, il a dit ceci. Toute nation a le gouvernement qu'il mérite. Et alors, ça doit nous interpeller. Nous ne travaillons pas pourquoi? Il n'y a pas de travail pourquoi? Parce que nous avons les gouvernants que nous méritons. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, parce que entre 1885 et 1960,
nous avions les gouvernants que nous méritions. Et ils nous ont fait travailler. Et quand on dit nous, que nous méritions, parce que je rappelle que mon vieux frère ici a évoqué, il a dit, on ne colonise que ceux qui sont colonisables. Professeur, je voudrais vous dire une chose. Vous seriez devenu prêtre que vous allez comme un gant. Non, mais vous n'êtes pas passé au séminaire pour rien. Vous parlez très bien. Vous prêchez même très bien. Mais je voudrais que mon ami Bonny Gabin prenne la parole au lieu de continuer à boire comme du petit lait les paroles de l'évêque Mpoy. Oui, l'évêque Mpoy a dit, répondant... Il ne faudra pas me faire interpeller par son éminence. Non. À votre question, que il faut changer l'homme. Changer de mentalité. Oui, parce que c'est là où le bât blesse, effectivement. Le pays comme le Congo serait effectivement un Eldorado aujourd'hui si l'homme congolais, le citoyen congolais, le peuple congolais avait finalement pris conscience que ce pays, c'est sa propriété. Oui. Que c'est lui qui a le pouvoir de choisir les hommes et les femmes ayant le profit de l'emploi pour le diriger à différents niveaux. Oui, mais à l'époque de Mobutu, c'était difficile, parce que là, c'était quand même un peu coincé. C'était ce qu'on a appelé la dictature. Oui, mais Mobutu ne serait même pas arrivé si, dès le 30 juin 60, ceux qui ont hérité ce pays, colonisateurs, parce qu'effectivement, il faut reconnaître que la colonisation, bon, ça s'était imposé. Ils ne sont pas venus nous demander notre avis pour nous coloniser. Mais en 60, disent, voilà, maintenant, vous prenez vous-même les rênes du pays. Bien. Ils donnent les rênes du pays à des jeunes de 25 ans, à des jeunes, et ils sont eux-mêmes conscients qu'ils ne vont pas s'en sortir. Donc, et la dictée vient... Voilà, donc il y a déjà tous ces piège-là qu'il faut essayer dont il faut essayer de se dépêtrer pour avoir un leadership qui soit effectivement porteur des attentes de ce peuple devenu enfin peuple libre. Mais tout cela ne s'est pas passé de cette façon-là. On a eu cette indépendance où les gens eux-mêmes, du jour au lendemain, ils étaient ouvriers. On lui dit, non, aujourd'hui, c'est vous, l'administrateur des territoires. Vous vous rendez compte? Je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer ce que ça veut dire. Un ancien tailleur de quartier, celui qui cousait nos habits, nos culottes, nos uniformes. Tout ça, nos uniformes, en 60, parce qu'il a milité dans un parti qui est maintenant aux affaires, on dit, bon, là, il n'y a pas d'administrateur de territoire, mais vas-y, toi, tu vas diriger le territoire. En 60, jusqu'en 60, pour être chef de poste, donc la juridiction en dessous du territoire, c'était tous des gens qui avaient étudié à Louvain ou à Anvers ou quoi, ils étaient formés avec une vision multidisciplinaire. Parce que c'est cette personne-là qui doit surveiller la santé des habitants, qui doit voir là où il y a des risques d'érosion, celui qui doit surveiller les cultures. Donc, il a des connaissances pratiquement dans tous les domaines. Du jour au lendemain, on ne peut pas espérer qu'en plaçant un ancien tailleur à la tête d'un territoire, on s'engage dans la bonne direction. Donc, il y a eu plusieurs pièges, papa, corps défendant. Ah oui. Ce n'est pas pour rien que Mabika Kalanda, qui était parmi les premiers cadres, qui a vu venir cette indépendance, il était déjà commissaire de district assistant au 30 juin 60. C'était
une ascension assez fulgurante pour quelqu'un qui venait de terminer à Lovanium en 58. Lui, il a vu ça de l'intérieur. Il est commissaire de district assistant. Il se dit, mais là, on prend une dérive tout à fait dangereuse. Il faut faire marche. Il faut peut-être appeler les Congolais à une remise en question du système qu'on vient d'hériter pour voir ce qu'il y a de bon dedans, on retient, et ce qui n'est pas bon dedans, on rejette. C'est ça l'intitulé de son livre, la remise en question, base de la décolonisation mentale. Parce qu'il a compris que la décolonisation, ce n'est pas seulement ce qui s'est passé le 30 juin là, c'est dans nos têtes qu'il faut en fait placer un nouveau logiciel qui sera le logiciel d'un acteur de développement, un agent de développement qui sait qu'il faut être entreprenant, entrepreneur, conquérant. Et donc cette mentalité nouvelle qu'il fallait inculquer aux Congolais, et justement la chose qui n'a pas été faite. Qui n'a pas été faite, professeur. Mais il était seul pour ce combat-là. Et ceux qui dictaient, ils étaient nombreux pour étouffer. Et ils ont étouffé cette idée. Alors, c'est pas pour chercher des excuses, c'est la vérité. Non, mais c'est la vérité, mais j'aimerais. Je ne vais pas revenir, mais je vais dire que tout ce que mon vieux frère Modeste vient de décrire est encore d'actualité aujourd'hui. Ah bien, ce n'est un secret pour personne. Nous avons vu celui qui a été élu gouverneur dans la province du Kasaï oriental. Nous avons vu certains parlementaires qui existent encore jusqu'à aujourd'hui. Donc, oui. Nous n'avons pas fait beaucoup de progrès. Aujourd'hui, que les nombres d'universitaires se comptent par milliers, sinon par... on va atteindre un petit million bientôt. Donc, notre problème, c'est d'avoir mis à la place qu'il fallait des hommes et des femmes qu'il ne fallait pas. Pas seulement parce qu'ils n'avaient pas le bagage intellectuel, mais surtout entre 1965 et aujourd'hui, parce qu'ils n'ont même pas le bagage moral et éthique. Bagage moral et éthique. Donc pas nécessairement bagage intellectuel, comme nous qui avons été à l'université, au séminaire et des choses comme ça. Donc, morale. Et c'est là notre grande faillite. Parce que, et je vais revenir encore dans ce discours du roi Baudouin le 30 juin. Il dit, nous vous transmettons un pays qui marche et qui fait l'envie du monde. Mais vos dirigeants vont apprendre maintenant le difficile travail de gouverner. Et il ne faudrait pas se contenter de jouissances faciles et rapides. C'est là que se trouve jusqu'à aujourd'hui notre drame. Quand on relit ça, on ne peut pas s'empêcher de constater que ce que le jeune Baudouin avait dit à l'époque, il n'avait que 30 ans, c'était prémonitoire. Dans ce discours très simple et très court, il avait pourtant prévu nos malheurs et il avait dit qu'ils étaient prêts à nous accompagner. Ils étaient eux-mêmes conscients que contrairement aux autres colonies, notamment les colonies françaises et les colonies britanniques, les autochtones ou les indigènes, comme on disait à l'époque, avaient été initiés à l'art de gouverner. Ou Fouette-Boigny, par exemple, était député en France. En France. Et donc, pour nous, et quand ils ont dit « nous avons encore besoin d'au moins
30 ans pour vous préparer. Ouais. Nous avons dit non, nous sommes prêts. Et nous voulons, allez-vous-en. Ils sont partis. Remarquez que les Belges ne se sont pas battus comme les Portugais. Ils n'ont pas fait immédiatement, dès que nous avons dit nous sommes prêts, ils ont dit vous êtes prêts. Alors, c'est comme quand nous tous ici, parce que nous sommes parents, pères, grands-pères, vous savez, quand vous avez, quand l'enfant est en train de devenir adolescent, il y en a qui deviennent très indisciplinés, très rebelles, ils pensent qu'ils savent tout. Et vous pouvez dire, bon, allez-y, vous verrez. Nous nous sommes comportés en 1960 comme ces adolescents, et aujourd'hui nous en payons le prix. Mais professeur, je vais donner la parole à notre ami. Qu'est-ce que je voulais poser comme question? Oui, parce qu'ils nous ont accompagnés en nous dictant des choses. Le néocolonialisme, c'est quand même un nom qui existe. Ils nous ont accompagnés, mais pas pour nous aider cette fois-ci, pour prendre leur revanche, parce que nous nous sommes rebellés en 1960 en exigeant l'indépendance. Non? Je me trompe? Mais parce qu'ils se sont dit, bon, eux ne voient pas, comme dit le sage, le danger de loin. Bon, et ils s'entêtent. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on les laisse y aller, tout en sachant qu'ils vont se casser la figure. Et ils nous ont aidés à nous casser la figure, puisque pour revenir à Lumumba, ils avaient voulu le corrompre, et Lumumba avait refusé. C'était déjà des pièges, professeur. À moins que... Non, oui. Je voudrais que ce permettez que je réalise, parce que, vous savez, nous en particulier, et je ne dirais pas, je n'oserais pas utiliser le terme tard, mais j'ai eu, de par mes fonctions antérieures, l'occasion de travailler aussi bien sur les pays francophones que sur les pays anglophones. Prenons le cas du Zimbabwe, oui, pays sur lequel j'ai aussi travaillé. Mais je n'ai pas entendu, et nous suivons tous la presse, que pendant la dictature de Mugabe, qu'ils avaient très bien porté au départ, qu'ils s'étaient mis à blâmer la Grande-Bretagne pour tous les égarements et tous les errements de Mugabe. Par contre, lorsqu'il s'agit des francophones que nous sommes, nous avons tendance, et en particulier, je ne veux pas parler d'autres pays, je veux parler de nous. Nous rejetons toute la responsabilité de notre déconfiture sur l'ancien colonisateur. Donc, il faut arrêter ce discours. Il faut absolument cesser de nous considérer, comme des victimes. Oui. Nous sommes tout à fait... Nous sommes comptables de nos propres actes. Et c'est là où je rejoins la formule de Modeste qui parle de le patron. Nous devons savoir que chacun de nous est un petit patron de ce pays. Et que lorsque vous avez à votre service un travailleur qui ne vous donne pas satisfaction, vous ne pouvez pas blâmer celui qui vous a recommandé ce travailleur-là. On dit non, mais mon cher ami Modeste, je te demandais un chauffeur, si tu connaissais un bon chauffeur, voilà la personne que tu m'as envoyée a failli me tuer. Non, ce n'est pas la faute de celui qui a cru bien faire en vous envoyant quelqu'un. Maintenant, c'est vous qui êtes en charge. Vous devez prendre la décision. Vous devez avoir le courage de prendre cette décision. Ah, ce n'est pas moi qui vous l'ai dit. Vous avez lâché le mot. Renvoyer. Oui. Et c'est exactement cela ce que nous devons faire avec ce qui nous dirige. Lorsque nous constatons, comme c'est le cas, c'est évident qu'ils ne sont pas à la hauteur. Tous, depuis le successeur de Léopold
4, Léopold 5, Léopold 6, et j'en passe. Voilà le résultat que nous avons aujourd'hui. Nous devons, et je pense que ce n'est pas prématuré de le dire, j'ai vu dans les journaux d'aujourd'hui, on se pose encore la question, est-ce qu'il y aura ou il n'y aura pas d'élection? Mais comment est-ce qu'on peut même débattre de cette... Donc il faut que nous soyons derrière pour... Oui. Mais la date des élections a déjà été annoncée. Le processus est en cours. Mais qui a le droit d'arrêter ce que la Constitution dicte? Alors, est-ce que nous allons encore une fois nous laisser duper comme nous nous étions fait duper en 2016? Parce que ce serait le même processus. Non. Nous devons aller aux élections et je pense que ceux qui seraient tentés de conseiller notamment au président, parce que le président n'a pas le pouvoir d'arrêter les élections. Ce serait une violation flagrante de la Constitution. Mais merci, parce que si je vous laisse trop la parole, non, vous allez faire tomber la baraque, vous avez complètement raison. Mais Modeste a souvent l'habitude de dire, mais nous avons les députés que nous méritons. Et donc aujourd'hui, il est encore temps de faire une évaluation autour de ces personnes qui font des lois. Modeste, je vous laisse la paternité de vous dire, et même la parole, parce que vous savez très très bien le dire. Oui, je crois que le problème de leadership dans notre pays tire sa source là où, comme l'a dit notre ami Boy, le vrai patron s'ignore. À partir du moment où le vrai patron ne sait pas que c'est lui le patron, tout le reste devient facile. N'importe quoi. Parce que si dès le 30 juin 60, ceux qui prennent les rênes du pouvoir après le départ du colonisateur sont conscients qu'ils sont effectivement des serviteurs dont le patron était le peuple. Le peuple est très sévère, très, vigilant. Vigilant, il n'a pas de marge d'erreur. Mm-hmm. Il est tellement exigeant que le moindre dérapage sera sanctionné sévèrement. Si c'était cela, le 30 juin 60, mais on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Donc on commence aujourd'hui à nous mettre en tête, nous prêchons ça depuis longtemps, à nous mettre en tête que les élections sont à nos portes et que tous ceux qui n'auront pas bien fait leur travail, c'est à nous de les sanctionner. Et moi, je prends l'exemple de nos amis députés. Parce que cette histoire de chancelier Lokobamba, où on vous dit, finalement, ici, il suffit de savoir jongler, si on a un peu de moyens, on sait comment les choses se passent, et pouf, du jour au lendemain, tu étais cambiste, ou je ne sais pas quoi, tout ce qu'on veut, et tu es élu, au lendemain. Non, là, il y a un problème très sérieux. Oui, ça peut se passer une fois, mais pas deux fois. La même personne qui vient vous donner la bière seulement à un moment X. Ouais. Ah non, on ne peut pas. On ne peut pas accepter ça. Si je peux ajouter une petite réflexion sur cette question des députés et des représentants à tous les niveaux. Les députés que nous avons, il y en a 500. Il représente la ville de Kinshasa ou il représente le pays? Il représente le pays, bien entendu. Non, parce que tous résident, quasiment tous, résident à Kinshasa. Alors, vous imaginez, Mpoy Kamoula devient candidat pour n'importe où, je ne veux pas... Le Conga.
Non, du Congo, je réside ici. Oui. Mais si je vais, parce que j'ai été, parce que je suis né en Demba, et que je pars maintenant pour être candidat en Demba, tout simplement parce que j'ai été né là-bas, est-ce que je peux être un représentant valable d'Ndemba? Non. Est-ce qu'il n'y a pas de gens en Demba qui mériteraient beaucoup mieux? Donc c'est ça le défi que nous devons relever. Et le discours serait, par exemple, si j'étais d'Ndemba, de vous dire, monsieur, vous avez fait le tour du monde, vous êtes à Kinshasa, allez vous faire élire à Kinshasa, ceux qui vous connaissent, ils vous sanctionneront. C'est ça. Nous devons d'abord, parce qu'aujourd'hui nous n'avons pas la capacité de changer les lois, mais le patron qui va élire prochainement devra précisément, nous voulons qu'il y ait des candidats qui vivent dans le... Effectivement, c'est une des résolutions que nous avions prises à notre colloque de l'année dernière et qui a été reconduite à la journée scientifique de samedi. Il faut que dans chaque circonscription, le candidat ou les candidats résident effectivement là-bas, pas tout simplement vous résidez à Limété, mais vous allez être candidat député de Tchangou. Non, ce n'est pas possible. Ça ne devrait pas être comme ça. Vos patrons, ceux qui vous connaissent, ils sont là où vous habitez. C'est exactement. Parce que vous devez porter les peines et les joies de vos électeurs. Tout à fait. Et ici, ce que nous avons, et ça me donne encore l'occasion d'évoquer la situation qui est la nôtre aujourd'hui. Nous sommes dans une... Il nous reste 2 minutes. Dans une particratie. Les différentes formes de gouvernement, on nous a appelé la monarchie, l'aristocratie, la théocratie, mais on ne parle pas de particratie. Et c'est exactement ce qui... Les différents candidats vont être désignés par le chef de leur parti. Pas par eux-mêmes, pas par leur peuple, et ils vont être financés par les partis. Et donc le peuple, tout bêtement, excusez-moi l'expression, va avoir, parce que c'est celui-là. Une autre faille terrible qu'il y a dans la loi électorale. Les candidats indépendants devraient pouvoir se grouper. Il devrait y avoir une liste des candidats indépendants sur la liste pour être sur un pied d'égalité avec les listes des partis politiques. Donc, et avoir le seuil de recevabilité. Je pense que nous pourrons avoir l'opportunité de revenir et de consacrer toute une émission. Absolument. Vous êtes très intéressant, cher frère, parce que, bon, on a presque fini. Le professeur Mpoyu nous a pris tout le temps en rappelant l'histoire que nous connaissons pourtant par cœur, mais c'est bon parce que les jeunes... Ils ne la connaissent pas. Tout à fait. Et je vous remercie. Bon. Non, mais je crois que l'émission doit se poursuivre. Absolument. Parce que, manifestement, on a à peine amorcé le fond du sujet. Il faut absolument que l'Eldorado dont nous parlons soit perçu par tous les Congolais comme un horizon tout à fait à notre portée. Mais pour cela, il faut qu'on l'explique, qu'on ait plusieurs occasions. Et nous sommes contents que la Numérica ait décidé de prendre ce sujet à bras-le-corps. Donc, la prochaine fois, nous allons continuer à échanger là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir, professeur? Alors, je vous donne l'autorité terminer cette émission. Merci beaucoup pour ce privilège. Ce que nous devons retenir, c'est que dans l'immédiat, nous devons prendre conscience que nous sommes nous-mêmes comptables et redevables en tant que peuple de notre propre situation et de notre propre sort. Par exemple, aujourd'hui, hier... Quand je dis hier, c'est-à-dire en 1996, nous étions à bout de souffle avec le dictateur Mobutu.
Et pour le déloger, nous avons eu recours à 6 armées venues de toute l'Afrique. Et on a appelé ça la première guerre mondiale africaine. Aujourd'hui, tristement, nous avons maille à partir avec ce qu'on appelle le M23. Et pour nous sortir de cette situation, nous faisons de nouveau appel à d'autres, à une autre armada d'armées étrangères. Et c'est toujours nous qui les appelons. Mais nous ne nous posons pas la question en tant que peuple. Comment est-ce que cela se fait? Qui paye? Qui paye? Et nous pensons qu'on peut venir comme gratuitement. Ça, gratuitement. Et alors, quand on doit payer, d'une manière ou d'une autre, nous allons parler d'infiltration, nous allons parler de tout ce que nous disons des Rwandais aujourd'hui. Voilà pourquoi je pense qu'à la prochaine émission, nous parlerons notamment de cette fameuse proposition de loi dite de père et de mère, parce qu'elle occupe, elle préoccupe les esprits de nos compatriotes et ça fait partie de la problématique de l'Eldorado, parce que pour tourner ce pays en Eldorado, nous avons besoin de tout le monde. Modeste a dit qu'il s'agit de faire de la RDC l'Eldorado, non pas seulement pour les Congolais, mais l'Eldorado pour les Africains et l'Eldorado pour le monde. Merci. Mesdames, merci, mesdemoiselles, de nous avoir suivis. En fait, ce pays, la clé du développement de l'Afrique, il faut que nous retenions ça. La clé du développement, de l'épanouissement de l'Afrique se trouve ici. Et nous, nous sommes les patrons, chacun en ce qui le concerne. Non mais franchement, si nous ne saisissons pas l'occasion, mais alors, nous retardons même l'Afrique, ce n'est pas possible. Cette émission, je la termine tristement comme ça. Merci, monsieur le professeur Mpoy. Merci, cher ami Modeste Bonigaba. Et dans 15 jours. Merci.